Salut à tous, c'est Largouin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Oui, ça fait longtemps, ça fait un mois déjà, et puis ça fait quasiment un mois aussi que j'ai pas joué. Parce que j'essaie de faire mes vidéos Minecraft chaque jour. Et que je prenais pas trop d'avance au début, en plus, le temps d'adapter le rythme. Bon, là, c'est un peu galère de temps en temps aussi quand même, mais ça va. Donc voilà, donc là, on est sur Fortnite. Et normalement, j'ai bien setup le tout pour que ça lague pas trop, etc. Pour vous en plus. Et ça devrait être meilleure qualité qu'avant déjà, que l'autre clip Fortnite que j'avais fait, l'autre vidéo, qui était bien plus montée d'ailleurs, mais celle-là le sera moins vu que c'est une vidéo du jour. Donc voilà, donc on y go en tempête de glace, en solo. Et j'espère qu'on va faire la masse de kills quand même, parce que c'est quand même le but premier, tout simplement. Voilà. Donc, et puis d'ailleurs, bon, de temps en temps, il y a les FPS qui s'affichent à la droite là. En vert ou en rouge ou orange selon si c'est bien ou pas. Et du coup vous pouvez aussi vous aussi comparer s'il y a les meilleurs FPS maintenant qu'avant. Si je crois que avant ça s'affichait peut-être pas, il me semble. Je suis pas sûr. Donc voilà, donc là on est dans la zone d'attente. Oh! Il y a un... What? Non, ok, c'est bon. Il y avait le marteau qui volait au début. Enfin, c'est la pioche. Voilà. Bon, ok, alors c'est un peu quand même, c'est un peu laggy, mais bon là c'est ok. J'ai un peu peur, c'est qu'il y avait beaucoup de monde je pense. Waouh, je crois que j'y suis déjà allé à Noël, ouais, justement, enfin en premier janvier j'ai dû y aller. Espace pour sauter, où est-ce qu'on va? Bon allez, on va Tilted Towers. Merde, du coup c'est là-bas et c'est Polti. On n'a pas remercié le chauffeur. Je suis mal élevé quand même. Je me casse du bus volant comme ça sans dire merci au chauffeur de nous avoir emmenés ici. Ah ouais, ça c'est être un thug. Non, bon, alors voilà, donc je sais pas. Bon, je vais pas chercher les avions en vrai. Mais du coup là, je vais ici. Et là, est-ce qu'on a un truc là-haut? J'espère que oui. En tout cas, moi je lag un petit peu. Je lag un petit peu. J'ai envie qu'il y ait quelque chose là-haut, mais je suis vraiment pas sûr. Ok, il y a un mec pas loin. Tout ce que je sais. Faut faire gaffe quand même. Oh putain, il est juste en dessous. Oh, il m'a tué. Ah non, il était pas en dessous. Il a dû arriver du ciel. Non. Oh putain, il a sauté de toit en toit, franchement, ouais. GG. Franchement, ok. Bon, je l'ai pas vu passer du coup, mais bon, là j'avais pas pris les bons trucs. À la limite, je vais faire comme d'hab, je vais prendre l'avion parce que j'y arrive mieux avec l'avion. Mais bon, voilà. Et en plus, je connais mieux la zone où il y a l'avion, donc autant y aller pour essayer de faire un max. Donc là, voilà, 60 FPS. Comme ça, dès que je suis ici, bon après ça peut descendre, voilà, 5 FPS et tout, ça descend. Bon, ici, il y en a à chaque fois moins que dans la zone d'attente, il me semble. Après, ça dépend peut-être en jeu, il y en a plus ou moins, mais c'est pas affiché en jeu. Donc, à voir. Donc voilà, donc une nouvelle partie. Parce que j'espère, bon, niveau 12. Donc je vais quand même essayer de farmer un peu plus. Niveau 15, bientôt on aura 5 étoiles récompense. Et là, niveau suivant, on aura 2. Yes. Et là, c'est quoi notre blason? Je sais pas si on peut le modifier. Bon, alors, élimination pistolet. Top 6 en section, non. Top 6 en section, c'est quasiment sûr, je vais pas l'avoir. En tout cas, pas maintenant. Ça, c'est sûr et certain. Après, pour les autres, tuer des gens avec pistolet normal, je crois que c'était marqué pour 2 joueurs. Ça, c'est assez simple. Il faut juste trouver le bon pistolet, en fait. Après, quoique, ouais. Ça doit être compliqué de trouver le bon pistolet, tout simplement, de base. Donc, on va essayer de trouver quand même. Donc voilà. Et du coup, il n'y a pas la facecam là non plus, parce que bah, j'ai pas pu, j'ai dû record vraiment tard aussi. Et du coup, voilà. Mais vous en aurez bientôt. Et ne vous en faites pas pour ça. Et puis, vous aurez des nouvelles vidéos Fortnite qui rappellent. Oh putain, les graphismes sont bien mieux comme ça que tout à l'heure. Voilà. Vous aurez. Hop. Où est-ce que c'est? Je crois que c'est. Ça doit être là-bas, les avis. Oui, c'est là.
Voilà, donc vous aurez d'autres vidéos Fortnite qui vont arriver dans une semaine et quelques à peu près. Ne vous en faites pas. Hop, et pour le truc commande bloc, c'est pas Vaniac, c'est... pour le rush de flag, il va arriver bientôt aussi. Et voilà. Et d'ailleurs aussi, voilà, tant que j'y suis, je le dirai aussi à la fin de la vidéo. Putain, faut faire gaffe là. Oh, on va prendre l'avion direct. On saute dans l'avion. On saute dans l'avion. Hop. Hop. Non, 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 non. Non, 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 putain, qu'est-ce que tu fous? Non. Hop. Vas-y. Je sais pas, j'espère qu'il va pas me poursuivre quand même. Il est où? Je le vois pas. Il y a un truc là-haut, en tout cas. Tout ce que je sais. Il n'y a pas un truc pour zoomer, non? Il n'y a rien. Mais là-haut, il y a quelque chose. Je sais pas si c'est une faille. J'ai l'impression que ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Et ouais, ça reçoit aucune de mes balles. Et vraiment. Est-ce qu'il y a un mec derrière? J'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie qu'il y en ait un derrière, en fait. Ah! L'œil de la tempête! Ça fait quoi si on va, si on essaie d'aller en dehors de l'œil de la tempête? Ah ouais, non, si on essaie de monter trop haut, on n'a plus de carburant, c'est vrai. Ok, ouais. Bon, bah du coup, moi, il me faut aller... Oh, hop, hop, hop. C'est quoi déjà pour... C'est ça le frein, ouais. On est d'accord. Hop, c'est shift. Hop, fais gaffe. Quand même. Ouais, pff, ok. Ouais, on fait par à-coups. Voilà. Voilà. Là, on devrait l'avoir. Pas trop violent. Et... Atterrissage... Je me casse. Bien, mec. Je me casse. Je m'en vais. Loin d'ici. Et si... Ah. Oula, il y en a un là. Il y a un mec là-bas. Si je pouvais essayer de l'avoir, ce serait cool. Hop. Là. Non, ok. Recharger, c'est quoi? Il n'y a pas recharge. Si. Bon, c'est automatique. C'est automatique recharger. Ok. Il y avait trois avions de base. Oh! Serait-ce de la chance? Nickel. Bon. L'avion qui va se barrer. Nickel. Ok. Voilà. Et bon, là, on casse notre avion. Voilà, parce que sinon ils vont l'emprunter. Ou on lui met juste un tout petit peu, comme ça va aller. Hop. Oups. Je pensais que j'aurais pu laisser un petit peu pour que ça les mette. Pour qu'ils pensent que c'est. Qu'il y en a encore, mais non. Oh yes. Oui. Merci Dieu. Je suis pas croyant, mais bon. Il n'y a rien. Ok, on est d'accord. Là. Ok. Bon, bah on peut piloter. What? Ça veut pas piloter. Ah, ok, faut... Je peux pas le piloter. C'est abusé. C'est un bug. Je suis sûr que c'est un bug. L'avion bug. Oh non. Non, j'ai cassé mon avion. Putain, bon, ok. On va faire gaffe. Ok, allez, on prend tout ça, les bancs et tout. L'armoire. Il me faut un peu de quoi construire. D'ailleurs, la touche pour construire, j'ai mis quelle touche? J'ai mis la touche. Construire, c'est où? C'est... Ouais, non, j'ai pas envie. C'est. Ok.
C'est pour construire un mur, on est d'accord. Oui, ok, nickel, ça adapte bien à droite. F. Non, F. Merde, c'est que pour revenir en mode normal. Y. I. Non, ça c'est sac à dos. C'est que pour revenir en mode normal en vrai. Je suis sûr que je vais mourir à cause de ça. Quasiment sûr et certain. Ok. Donc alors c'est revenir en mode normal. Non, c'est pas ça, c'est là-dedans. Revenir en mode normal, c'est la touche, outil de collecte, placer marqueur, s'accroupir en construction. Améliorer, pivoter la structure, modifier construction, passer à l'outil de collecte, espierluette. Sélecteur placer, alterner les raccourcis. Turbo, 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 ok. Donc. Ok, bon, alors apparemment c'est peut-être ça. C'est pas ça. Putain, vraiment. Je vais rester coincé dans le mode de construction à vie. Oh, yes, ça s'est enlevé. Nickel. On peut toujours pas le pivoter, j'imagine. Et pourtant. Pourtant, on arrive à le décaler. Franchement, il est buggé. Il est vraiment buggé, cet avion. Et what? What the? Attendez. Je sais pas si vous avez vu, mais. Ah, c'est moi qui ai enlevé le mur. Putain. J'ai eu trop. Il y en a là-haut. Non, il y a personne. Putain, il y a le mur là. Là, on saute. Voilà, nickel. Mais bon, j'ai pas grand chose. Une tyrolienne dans plusieurs parties. Ah, ok, bon bah. Ouais, en vrai, c'est pas la bonne idée. Allez. Allez, on saute. Allez. Cours, Forrest, cours! Non! Run for your life! On voit tellement qu'elle est en train de courir pour sa vie. Ah, c'est quoi, c'est pour l'escalier, c'est 4. 4. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est pour le. Qu'est-ce que j'ai foutu? Il y a ça, ouais, à la limite. Voilà, comme ça, on pose comme on veut. Et pour quitter ce mode construction, je sais pas comment faire. Parce que j'ai fait n'importe quoi et je me suis même pas dit quelle touche j'avais modifiée la dernière fois. G, remodifié. Ok. J, K, L, M, O. Le mec il fout n'importe quoi juste parce qu'il se souvient plus de ses touches. N, E, V. Ah, c'est V. C'est pas V. C'est pas V. Ah, un beau bonhomme de neige. Bon, mon arme. Merde. Ok, c'est bon, je peux. Là, on va essayer de l'ouvrir quand même, ce coffre. Non, il est déjà ouvert. Cette mallette est déjà ouverte. Et là, bon. Bah écoutez. A, Z, E, R, T, Y, U, I, O, Q, S, D, F, G. Ah. La pire partie au monde. Je connais même pas les modifications que j'ai fait. Putain. C'est la pire partie au monde. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai modifié comme touche. Et je me perds. Putain. Et l'autre que je me fais tuer dès le début en arrivant sur un toit. Là, la pire partie au monde. Faut vraiment que je sache quels raccourcis sont quels raccourcis. À la limite, au début, je me mettrais peut-être une feuille à côté de moi pour savoir les raccourcis, les noms des raccourcis à quoi ils correspondent, ou juste mon téléphone avec des infos dessus, parce que sinon je serais trop paumé. Putain, tellement pas doué. Bon, bah là, on essaie une dernière partie en tout cas.
Donc, élimination de pistolet et tout, top 6. D'ailleurs, il y a un autre achievement du coup, parce qu'on a eu le truc de tyrolienne qui s'est un peu débloqué. Passe gratuit, palier 7, 3 sur 10. 3 étoiles sur 10, je pense. Ah, du coup, ça fonctionne comme ça, les paliers? Ok, je savais pas. Donc là, faut monter de niveau, on a des étoiles. Et avec les étoiles, on peut monter de palier après. D'accord. Bon, bah, c'est nickel. C'est quoi ces trucs-là sur le côté? Genre, un avion à cette merde. Ah, c'est des réacteurs, peut-être. Pourquoi il les a sur ses ailes? Pourquoi il les a sur ses ailes? Faut quand même qu'on m'explique pourquoi il les a sur ses ailes. Bon, après, on voit des dessins de gamins ici, donc ça doit être pour ça qu'en fait, il n'est pas si bien designé que ça. Qu'il n'est pas logique. Donc, bon, ok. Et là, il y a une porte qui tient un tableau. Waouh! Je sais très bien que c'est pas censé être logique. Mais bon, quand même. Bon, alors, où est-ce que c'est là-bas, je crois. On est bien d'accord que ça doit être par là. Oui, c'est ici. Par contre, je sais pas où exactement. Là, il y en a. C'est ça, c'est ces avions-là. Ils sont là. Putain, il y a déjà un mec. Il y a déjà deux mecs. Il faut prendre l'avion direct. Ils vont se taper. Donc, moi, je prends cet avion. Merde, qu'est-ce que je fous? Hop. Nickel. Allez, go, go, go. On passe en dessous. Genre... Non! Oh! Oh, c'est dommage, vous voyez pas ma tête. Franchement, je suis trop dégoûté. Non. Putain. Non, Eman. C'est cette arme qui nous avait tués au tout début. La première vidéo Fortnite. Cette arme qui m'avait tué. C'est vraiment le lance-roquette. Et ce salaud, il a un lance-roquette dès le début en plus. Ah, oh, putain, ça pique. Oh, ça pique. Oh, c'est affreux. Je suis mort en un coup. Mec, je voulais juste passer par la côte. Je me disais, bon, pour pas me faire avoir, je vais essayer de descendre rapidos. Et puis là, je suis en train de descendre. Là, pff, je meurs. C'est trop nul. Non. Bordel. Ah. Ah. Ah, c'est chiant. C'est décevant. Putain. Tellement pas doué, non. Ah. Je suis trop surpris. Ah, c'est abusé. Oh mon Dieu. Ah. Oui. Putain, quand même. Bon. Ah, je m'en mets un peu quand même. Mais c'est... Non, je voulais quand même faire une meilleure partie. Je voyais que voilà, il voulait prendre quand même tous les items de la base à côté des avions. Et du coup, je me suis dit, bon allez, on prend un avion comme d'hab. Et on essaie de se barrer, de se poser à un autre endroit pour prendre les items. Et puis là, putain, je me fais tuer en 2 secondes. Putain. C'est trop triste. Bon, ben voilà. C'est la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo et pour me soutenir pour cette mort décevante, si rapide, si prématurée, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et d'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, il me semble, que je voulais vous dire, c'est que sur le serveur Minecraft, donc pour ceux qui sont intéressés par le Minecraft, sur le serveur Minecraft, il y a le mini-jeu Star Defender qui sort ce samedi, donc ce samedi, logiquement, le 26, il me semble, le 26 janvier, ce samedi 26 janvier 2019, vous aurez le mini-jeu Star Defender qui sortira. Donc ce sera en, on peut dire, bêta test, parce qu'on n'a pas forcément testé, on n'a pas testé avec vraiment beaucoup de monde non plus. On a testé avant, mais avant qu'il y ait les nouveaux bugs, etc., des nouveaux ajouts et tout. Donc voilà, donc on va vous faire tester ce jeu ce samedi. Et d'ailleurs, il a été fait, il a été fini par Dark Scientist sur le Discord. Et moi, du coup, j'ai fait tout le début.
Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à venir à l'event ce samedi, donc à partir de enfin un event. Ça sera ouvert dès 16h, le mini-jeu. Et puis il y aura un event le soir, donc je sais pas trop à quelle heure, vu que je peux pas l'après-midi en fait. Donc il y aura un event le soir pour le truc pour le jeu, donc vous aurez le temps de farmer en fait, alors que moi j'aurai pas le temps. Donc voilà, et de vous entraîner un peu. Et moi, du coup, je vous dis que c'est la fin de la vidéo. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis, et puis aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss! Je me suis un peu embrouillé à la fin. Tchuss!